le CESVAC, Centre d'études spirites vendéens, présente. La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 4. Quand j'étais enfant, j'aidais, mais je ne savais pas faire grand-chose, et puis j'y arrivais pas bien. Quel plaisir d'être utile! Dans chaque maison, tous les jours, il y a des choses à faire. Ranger les affaires, préparer le repas. Chacun peut être utile dès son plus jeune âge en participant à ces activités. Il n'y a que les bébés qui ne peuvent pas aider. Chaque enfant a été un bébé et alors ses parents faisaient tout pour lui. Rendre service, prendre en charge certains travaux de la maison, bien faire un travail, nous rend heureux. Cela nous valorise car l'effort réalisé et la persévérance sont une victoire et montrent ce que nous sommes capables d'accomplir. Nous éprouvons de la satisfaction en nous occupant de manière utile et en faisant le bien. Cela nous permet en même temps de connaître notre valeur, notre place dans la famille et d'alléger le travail de nos parents. Que se passerait-il si nos parents, eux, refusaient d'accomplir les tâches de chaque jour ? Préparer des habits propres, faire les courses, préparer le repas, nettoyer la maison, réparer quand quelque chose est cassé, nous conduire à l'école, au sport, chez un copain pour un anniversaire. En tant qu'esprit, nous devons nous entraider pour atteindre la perfection. Pour cela, nous avons en tout premier lieu la famille. Les membres d'une famille ont le devoir sacré de s'entraider, parce qu'ils sont venus du monde spirituel pour progresser ensemble. Les parents reçoivent la sainte mission d'aider à l'avancement des enfants que Dieu leur a confié. Le principal devoir des enfants est d'honorer leurs parents. Honorer les parents, c'est les respecter, leur obéir et les aider dans la vie quotidienne. Pensons à la gratitude que nous devons avoir envers nos parents ou envers ceux qui nous élèvent. Combien d'efforts ont-ils fait pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions être ce que nous sommes ? Combien de nuits ont-ils mal dormi? Combien de jours de sacrifice? Que de travail ont-ils fait? Tout l'univers travaille, et par l'ensemble de tous les efforts, nous progressons et le monde s'améliore. Chacun est appelé à accomplir une tâche donnée, selon ses capacités. De là, une répartition du travail qui profite à tous. Ce que l'un ne peut pas faire, l'autre peut le faire. Pour aussi humble que soit une tâche, elle est toujours utile et elle ne doit pas être méprisée. Sers toujours, même si c'est peu, car il y a bien pire que de servir peu, c'est d'être utile à personne. Emmanuel.